Bonjour, je suis Gilbert Dagon, hypnopraticien et coach formateur en Suisse. J'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose que j'ai découvert il y a quelques mois, sur lequel j'étais très très dubitatif. Comme toute nouvelle chose, comme toute nouvelle information, je suis un petit peu méfiant de nature. Je crois qu'il y en a plein qui pourront se reconnaître aussi. Et j'aime bien, déjà je suis méfiant, et puis après j'aime bien vérifier par moi-même, expérimenter par moi-même. Et on m'a parlé des CEF, des correcteurs d'état fonctionnel. Fabrication russe, invention russe, et voilà, on m'en a vanté les bienfaits. Et au début, j'ai pris ça pour un effet placebo, quelque chose qui, voilà, ça, c'est de l'effet de persuasion. Faisant de l'hypnose, eh bien, je connais très bien ça, tout ce qui est placebo, effet de persuasion, suggestion, autosuggestion, prédiction autoréalisante, etc. Et donc, je me suis dit, si ça marche, tant mieux pour les gens, parce que ça fonctionne très très bien, les placebos et les suggestions. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus derrière? Et puis, j'ai commencé à tester. Et effectivement, dès les premières utilisations, je dois avouer que j'ai ressenti quelque chose sur le plan de l'énergie, sur le plan, sur différents plans subtils, on va dire. C'est plus subtil que ça, mais il y avait des réactions aussi à l'extérieur qui étaient différentes. Là, je vous en présente un, c'est le CEF. Alors, il y a toute une série de CEF. Celui-là, il est la série or. C'est le numéro 20 qui est nettoyage. Alors, en tant que thérapeute, eh bien, c'est bien aussi d'avoir des outils de nettoyage pour pas absorber tout ce que les gens viennent déposer aussi en faisant de la thérapie. Et avec ce CEF, eh bien, on a le moyen de nettoyer déjà. Alors simplement en se mettant en connexion, le posant sur soi, et on sent directement des effets physiques à l'intérieur, comme des choses qui relâchent, qui se détendent. Déjà, ça peut être aussi musculaire. Ça sera psychologique aussi. Hein, il y a l'esprit on sent comme un nettoyage de l'esprit. Et puis aussi, on peut nettoyer des espaces, et donc c'est pas CEF que j'utilise beaucoup dans mon cabinet, dans mon espace, pour nettoyer entre les patients l'empreinte énergétique, l'empreinte émotionnelle, parce qu'on sait que, eh bien, en vivant des émotions, on laisse une empreinte dans l'espace qu'on occupe, et du coup, ce CEF, eh bien, il est hyper efficace pour nettoyer ça, et je l'ai vérifié. Voilà, encore une fois, je vous en parle, et soyez comme moi, me remettez des doutes et mettez aussi des doutes à vos doutes, et puis testez. Hein, la meilleure façon de se faire une idée sur quelque chose, c'est vraiment de tester. Ça nous parle et on sent une efficacité, on garde. Puis si ça nous parle pas, puis on ressent rien, eh bien, tant pis, on passe son chemin. Et voilà. Donc voilà, j'ai découvert ça, et c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a plus de 10 ans que ça existe, presque une vingtaine d'années que ça existe. Et c'est seulement aujourd'hui, qu'il y a quelques mois, que je prends connaissance de ça. Je remercie beaucoup la personne qui m'en a parlé. Alors, il y a eu une petite fois, je ne l'ai pas très, très bien intégré il y a quelques années. Et puis après, cette fois-là, où ça m'a un petit peu interpellé. Et j'ai voulu le vérifier par moi-même. Alors voilà, testez et vous verrez bien. Et faites-moi vos retours avec plaisir. Et j'en profite aussi pour féliciter et remercier aussi toute l'équipe de Quantessence qui diffuse ces objets-là. Et pas que, il y a plein plein de produits sur Quantessence qui sont vraiment hyper intéressants. Donc du coup, je ne me suis pas arrêté au CEF. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres produits qu'ils proposent et qui sont vraiment franchement bluffants au niveau de l'efficacité. C'est vraiment incroyable. J'arrive pas à expliquer pourquoi. Ça, un petit peu plus, parce qu'on utilise des ondes scalaires, et c'est quelque chose que j'utilise aussi au mon cabinet, avec des ondes scalaires pour faire des soins plus physiques que psychologiques. Et là, on est vraiment sur quelque chose, une nouvelle médecine, une nouvelle science qui est vraiment hyper efficace. Alors voilà, merci beaucoup Quantessence, et puis, soyez curieux.